Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Qui existe à cette ultime bataille, affronte la force du métal. Sans peur et sans doute, faut gagner ce que coûte. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Totem d'énergie. Salutations à toi. Cette vidéo aurait dû être le premier Bay Interview centré sur moi. Mais je n'étais pas fier de cette vidéo après l'avoir tournée deux fois. Je n'étais pas content de ma diction et de ce que je disais dedans. Donc j'ai préféré vous exposer ce que je vais faire plus tard juste. Le Bay Interview, c'est quoi? C'est moi qui vais interviewer des Baytubers ou des Bladers. Je pense notamment comme Baytuber Cassiel et comme Blader Valentin, qui est modo sur Beyblade, sur le Discord Beyblade Espace. Donc pour la première vidéo, c'est vous qui aurez le choix de voter. Donc ça sera soit Cassiel, soit Pegadinka, soit Tsuna, trois admins du site Beyblade Espace. Votez et vous aurez la personne qui arrivera en tête des votes sera la première vidéo, la deuxième et la troisième. On va parler de leur expérience, de leur projet futur, de leur début, de leurs doutes peut-être, de leur motivation, de leur envie. Donc on va essayer de décrypter tout ce qui se passe un petit peu dans leur monde de blader à eux. Parce que chaque blader a un monde bien à lui. Donc je compte faire ce format là, je compte continuer les Bay Championnats avec l'arrivée d'une deuxième ligue à 10 toupies cette fois. Enfin plutôt 12 pardon. Ça sera un tournoi cette fois. Et donc les 4 premiers pourront monter en Bays 1, comme je l'appelle, la Beyblade League 1. Et les 5 derniers de la Bays 1 descendront en Bays 2. Dès que j'aurai une nouvelle toupie, de nouvelles toupies, ils seront ajoutés à la saison suivante, à la base 2. Et donc j'essaierai d'équilibrer, et si même il faut, je ferai une base 3. Parce que pour l'instant, je n'ai que 33 toupies, et donc j'en fais une à 20 et une à 12, parce qu'il y en a une qui est bancale. Bref, c'est compliqué à dire, elle s'accroche pas bien au lanceur, j'arrive pas bien à la lancer. À côté de ça, je compte prendre un format que j'ai vu traîner dans les commentaires d'une vidéo sous les commentaires d'une vidéo de Cassiel, qui serait les Bay Bullshit, c'est-à-dire tout ce qu'on peut pas faire dans la réalité par rapport à l'animé. Donc je pense notamment à l'explosion stellaire de Pegasus dans Metal Fight. Ah, tu n'as pas encore gagné. Qu'est-ce que tu dis? Un duel n'est pas terminé tant que les deux toupies tournent. Et la dernière fois que j'ai vérifié, Pegasus tournait encore. Espèce d'idiot, tu attaques maintenant! Alors c'est terminé pour toi! Allez, vas-y, tu peux l'achever, Léon! Ah non! Oh si! Kyoya est le grand vainqueur! Monsieur le gros dur est finalement vaincu par une sortie de stadium! Ridicule! Je suis désolé, Jinga! À cause de moi, ton précieux Pegasus a perdu! Mais de quoi est-ce que tu parles, Kenta? Mon Pegasus n'a pas encore été vaincu, mon ami. Hein? Tu rêves, mon pauvre. Je viens juste d'envoyer valser ta toupie hors du stadium. Hein? C'est impossible! C'est Pegasus! Allez! Pegasus! Explosion stellaire! Qui est absolument pas réalisable dans la vraie vie. Ou pour Burst, je sais plus comment il s'appelle, mais l'attaque spéciale de Kit Lopez.
remercie en tout cas les futurs Baytubeurs et les futurs Bladers qui vont participer à mon émission. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un commentaire, à voter votre Baytubeur préféré, donc pour avoir la première interview, donc ça soit, je répète, soit Cassiel, soit Tsuna, soit Pega. Bref, je vous dis à plus tard. Salut.